DJ, si tu dis. C'est quoi ton plus gros secret? Bah, c'est petit, mais en fait, je dors encore avec un boudou. Et toi, c'est quoi ton plus gros secret? Mon plus gros secret? Ah ouais, j'avoue. Ouais, vas-y, dis-le. Vous me promettez que vous dites rien? Oui. Sinon, on fait qui, on dit non, 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 mais pour de vrai. Oui, mais oui. Reste là, reste là. En gros, je suis née dans un corps d'homme et je voulais changer, du coup maintenant je suis une fille. Non, allez, la vérité. Allez, vas-y, dis-le un vrai truc. Mais c'est vrai, tes parents ils ont dit quoi alors? Bah ils ont accepté, comme vous, vous allez accepter. Ouais. Évidemment. Ah, j'ai une heure de colle, moi tu m'accompagnes? Ouais, vas-y. Allez, on y va. Pas de soucis. Bon bah, bisous, on vous laisse. Moi je vais aller à la vie scolaire parce que à la vie scolaire, on a l'accent. Je t'accompagne. Heureusement que t'es là, toi. Ouais. Ouais, je vais coller une feuille. Coller une feuille. Vous avez fait quoi, vous, ce midi? On a fait un action de vérité. Et il y a, tu vois, Camille. Ouais. Bah, elle a ouais. dit que c'était un mec. Ça a rayonné dans un côté mec. Ouais, ouais. Genre, c'est une transe. C'est hyper gênant. Bah, t'es pas censée aller ailleurs, toi? Bah, non. Apparemment, t'es un garçon? Bah, non, je suis une fille, ça se voit quand même. Moi, je crois pas, non. Bah, moi, je crois que si. Non, t'as pas, c'est avec les mecs là-bas. Eh, hey, on est au 21ème siècle. J'étais un garçon, je suis une fille. Tu ne changeras pas, tu es née comme ça. Tu on peut garçon. Changer. Tu ne changeras. Mais tu vas parler avec toi, ça me fout. Dégage, dégage. Mais ouais, je dégage, c'est pas. Elle a osé. Vous êtes sérieuse? Mais vous me dégoûtez, les meufs. C'est Anna. Oh, mais j'y Bon, la classe, écoutez-moi. Il y a le prof qui m'a demandé de faire les équipes tant qu'il aille chercher les ballons. Capitaine, on met José et Angèle. Mathis. Lila. Chloé. Irène. Lilou. Rémi. Léa. Bah, il reste Camille. Non, mais de toute façon, je fais pas. J'ai mal au ventre. Ah, là, c'est règle. Bah, c'est pas possible, c'est un mec. On va commencer le cours, vous sortez s'il vous plaît vos affaires, vous sortez tout ce qu'il faut pour prendre le cours. Hein. Donc aujourd'hui, cours de MC. Bonjour, merci, asseyez-vous. Nous venons d'apprendre la tentative de suicide de Emma, élève de 3e, suite à la situation de harcèlement qu'elle vivait. Une situation grave dans l'établissement. Le respect, c'est le mot fondamental du fonctionnement dans l'établissement, en tout cas un mot fort pour le projet d'établissement. Hé, hey, José! On est désolé de s'être moqué de ton nom. C'est pas grave, les mecs. J'ai de l'habitude et tout à cause de la sixième. Il a vraiment été con, mec. Hein. C'est pas grave. Je vous pardonne. Ok. Baptiste, viens voir s'il te plaît. Bah, on est vraiment désolé de t'avoir trouvé. Ouais, c'est comme une merde en fait. Ouais, se pardonne. Sérieux? Okay. Ouais. C'est bon. Je vous propose de recommencer le cours et de revenir peut-être sur les propos du chef d'établissement qui vous a parlé effectivement donc de cette troisième qui s'est faite harceler. Je crois que tout comme votre camarade. Je peux parler s'il vous plaît? Non mais vous vous rendez compte que c'est ce que je vis en ce moment? On harcèle. Depuis que j'ai dit ce que j'étais à un jeu, on me regarde comme si j'étais un monstre. Dans les vestiaires, on me renvoie chier. En sport, on se fout de moi. Et on attend qu'il y ait une fille qui soit à l'hôpital entre la vie et la mort pour dire que le harcèlement, c'est mal. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre, quoi. Je suis moi-même. Je veux qu'on m'accepte comme je suis. Je suis Camille et c'est tout.